Bonjour, je m'appelle Djaramissa, je suis en première au lycée Romain Rolland et j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Clément, je suis en première au lycée Romain Rolland et j'ai 16 ans. Moi j'ai choisi cette filière car les matières m'intéressaient beaucoup. Je choisis cette filière parce que c'était plus concret que général, je ne veux pas me lancer dans des études longues non plus. Bonjour, je suis Madame Baudin, je suis professeure d'économie-gestion au lycée Romain Rolland. Qu'est-ce que ça veut dire STMG? STMG, c'est pour sciences et technologies du management et de la gestion. C'est une filière technologique, c'est-à-dire à mi-chemin entre la voie générale et la voie professionnelle. Donc en première et terminale STMG, il y a de nouvelles matières spécifiques à cette filière. Elles sont quatre. Le management, droit économie, du management en anglais et sciences gestion de numérique. Dans ces matières spécifiques, on étudie par exemple le fonctionnement d'une entreprise, le commerce, la finance, les techniques de marketing et par exemple en droit éco, là on va étudier plutôt les lois, la création des lois, leur application. En plus de ça, il y a également des matières plus classiques comme l'histoire géo, les mathématiques, le sport, les langues, le français. Mais il faut savoir qu'en STMG, il n'y a pas de physique-chimie et pas de SVT. Dans cette filière-là, on a moins de travail à la maison, mais il faut quand même travailler. Mais en classe, on travaille beaucoup. Le travail est un peu plus concret, c'est-à-dire qu'on est moins sur les matières générales, on a aussi nos spécificités. Pour choisir cette filière, il faut être un minimum intéressé par ça. Alors, quelles sont les différences entre la filière STMG et la voie professionnelle? Première différence, c'est que la filière STMG, contrairement à la voie professionnelle, n'a pas pour objectif de trouver un métier directement après le bac. L'objectif, c'est plutôt de poursuivre des études courtes ou longues après le bac. Donc, ça peut être un BUT, un BTS, mais aussi une classe prépa ou aller à l'université. La deuxième différence, il n'y a pas de stage. Maintenant, quelle est la différence entre un bac STMG et un bac général? Il y a donc des nouvelles matières en STMG qui sont spécifiques à cette filière et qui représentent un volume horaire d'environ 15 heures par semaine. Une deuxième différence entre le bac général et le bac STMG, c'est qu'en STMG, on travaille sur des cas concrets d'entreprise, on peut faire des simulations de situations réelles du monde du travail, on peut faire des mini-débats sur des sujets d'actualité, on va également utiliser beaucoup le numérique et travailler par projet. C'est quoi le profil pour venir en filière STMG? C'est être intéressé par les organisations, par le management, par l'économie, par le droit. Le deuxième critère, pardon, c'est d'être prêt à travailler régulièrement. Un conseil pour réussir, je pense que ce sera de travailler à l'école comme à la maison. Le seul moyen de réussir, c'est de travailler, d'être assidu, c'est ça. La filière STMG vous permet de développer des compétences solides en droit, en économie, en management, en gestion. Moi, par exemple, j'ai choisi cette filière parce que je suis intéressé par tout ce qui est commerce, marketing. Du coup, je me orienterai sûrement sur un BTS ou un BUT, si possible en alternance. Alors moi, j'aimerais bien créer mon entreprise plus tard. Du coup, je ferai des études. Soit un master en alternance. Si vous pensez que la filière STMG peut vous intéresser, mais que vous n'êtes pas trop sûr, sachez qu'en seconde, il existe l'option management et gestion qui vous permet de découvrir justement un petit peu ce qu'on fait en STMG. Alors du coup, pour les débouchés de cette filière, ils sont assez larges, mais ça va être le plus adapté à par exemple ce qui va être dans la gestion, la finance, le marketing, ou plutôt le droit ou l'économie. Donc concrètement, après un bac plus 2, par exemple, on peut devenir agent immobilier, chargé de clientèle banque ou assistant de direction. Si vous voulez faire des études un peu plus longues, donc par exemple aller jusqu'au bac plus 5, vous pouvez devenir contrôleur de gestion, community manager, chargé de recrutement ou encore chef de produit marketing.